je me demande qui a bien pu remplacer le dentifrice par le tube de cirage noir. L'alien a les dents pourries. Pas mal ce coup-là, hein, l'alien. Tom, qu'est-ce que tu as encore fait à ta sœur cette fois? Mais rien du tout, maman. Tu connais l'alien, toujours à faire des histoires pour rien. Microbe, je te promets que je vais te pulvériser. Tiens, tu vois ce que je te disais? Tom, ouvre cette porte immédiatement. Toi, Microbe, tu vas regretter le jour où t'es venu au monde. Non, Tom a fait exprès de remplacer le tube de dentifrice par celui du cirage noir, regarde. Tom, elle oublie de dire qu'elle m'a fait pareil avec la mayonnaise. Je vous préviens, le prochain qui joue encore à ce petit jeu aura affaire à moi. On ne plaisante pas avec les dents, c'est une chose trop importante. Tiens, d'ailleurs j'y pense, Tom s'est pris rendez-vous chez le dentiste mercredi prochain. Comment ça? Pourquoi moi? Oula, j'aimerais pas être à ta place, Microbe. Tu vas souffrir l'enfer. Oh, j'ai aussi pris rendez-vous pour toi, Nina. Rendez-vous chez le dentiste. Quoi? Mais pourquoi? J'ai pas mal aux dents, j'ai aucune carie, tout va bien. D'ailleurs, je me les brosse tous les jours, pas comme certaines personnes que je connais. Ouais, mais quand on se les brosse au cirage noir, forcément... Pour toi, Nina, c'est pour qu'il décide si tu dois porter un appareil dentaire. Tu vas porter un appareil dentaire. Tu te rends compte, tu seras le premier robot alien. On va t'appeler Alienator. Oh non! Et c'est quand ce rendez-vous? Mercredi. Oh, 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 oh non, s'il te plaît, maman, maman, pas mercredi. Maman, on a prévu d'aller faire du roller avec Agnès Solange-Giraffe mercredi. Bah, tu peux oublier, avec les rails de chemin de fer qu'on va te mettre dans la bouche, tu oseras plus sortir de ta chambre. Alienator. Toi, tu l'as fait, Microbe. Ta-ta-ta-ta-ta, Grippy, allez au... Je t'en supplie, maman, décale le rendez-vous, je veux pas d'appareil. D'abord, j'irai pas. Oh, mais si, tu iras, je ne vais certainement pas annuler. Mercredi, je vous emmène tous les deux chez le dentiste. Allez-vous. Attention, alien volant non identifié, droit devant. Bon, attaque. Hé, l'alien. Non, mais tu te crois où? Pousse-toi de mon chemin, tu vois pas que tu m'empêches d'atomiser tes copains aliens. Calme-toi, Microbe. Quand tu seras passé chez le dentiste, t'atomiseras plus personne. Je parie que tu savais pas qu'ils avaient droit à 10% de perte. Autrement dit, quand tu rentres chez un dentiste, t'as une chance sur 10 de jamais en revenir. Leur truc préféré, c'est arracher les dents avec de grosses tenailles. Parfois, la mâchoire vient avec. Et quand c'est pas la moitié de l'oreille, ces gens-là sont de vrais sadiques. Nina, arrête de raconter des bêtises à ton frère. Ce que tu dis était vrai au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, les dentistes ne font plus mal. Cassé! T'aurais bien aimé me faire peur, hein, l'alien. C'est raté! C'est pas moi qui aurais le sourire ravagé par des barres de fer, je te signale. Maman te raconte n'importe quoi pour que t'y ailles et toi, tu la crois. Dommage, les dentistes ne soignent pas les cerveaux. Crois-moi, Microbe, quand tu y seras, tu feras moins le malin. Mais ouais, c'est ça, cause toujours, Alienator. Aïe. Hé, maman, Grippy a fait le cycle sans essorage. C'est pas trop tôt. Depuis qu'Agnès est allée chez le dentiste, elle supporte plus le moindre bruit, tellement elle a mal. Oh, j'ai mal, c'est atroce, est-ce que je peux souffrir? Vas-y Agnès, raconte encore une fois ce qu'il t'a fait, ce sadique de dentiste assoiffé de sang, dis-nous. Oh, c'était trop horrible, une vraie torture. Oh, il s'y est repris à 12 fois avec ses tenailles. Il m'a même arraché un morceau d'os de la joue, ce monstre. Et je vous parle même pas de la roulette, j'ai cru que ma tête allait exploser. Je ne pourrai plus jamais mâcher normalement. Fini, pendant toute ma vie, je ne pourrai plus manger de bonbons. Oh, ma pauvre Agnès, tu devrais t'allonger un peu. Viens, si ça va pas mieux, j'appellerai une ambulance, d'accord? Je ne mettrai plus jamais les pieds chez le dentiste. Jamais. Faut qu'on fasse alliance tous les deux pour faire annuler ce rendez-vous. L'alien a peut-être raison pour une fois.
Merci Agnès, sympa. Oh bah c'est normal entre copines, hein. T'es sûre que t'oublies pas un truc là? Oh mais ça quand tu veux ma copine. À mercredi. Ouais c'est ça, salut Agnès, à mercredi. Alors microbe, ça fait réfléchir non? Tu vois ce que ça veut dire d'aller chez le dentiste? Te fatigue pas va, je vois très bien ce que toi tu veux dire l'alien. Waouh, trop génial. Tu connais la sortie? T'as encore essayé de m'embrouiller. Je ferai jamais alliance avec toi pour annuler le rendez-vous chez le dentiste. Alors prépare-toi à souffrir. Si c'est le prix que je dois payer pour te voir avec un affreux appareil dentaire, ça vaut la peine. Je te rappelle que tu seras sûrement plus là pour en profiter. Papa? Papa? Aïe, non, oh, Tom, qu'est-ce que tu veux? Papa, c'est vrai que ça fait pas mal le dentiste. Non, pas le dentiste, non, mais c'est pas ça. Dis à ta mère que je veux pas y aller, t'entends? Non, dis-lui plutôt que j'ai trop de travail. Bon, alors, comment on fait pour annuler ce rendez-vous, l'alien? Pas de panique, microbe, j'ai un plan génial. Le jour J, à leur H, on aura tout simplement disparu, toi et moi. Comment ça, disparu? On se choisira chacun une cachette. Moi sous l'évier et toi dans la poubelle. Deux cachettes, ça fait deux fois plus de chances que maman ne nous trouve pas. D'accord, mais pourquoi c'est moi qui devrais me cacher dans la poubelle? Parce que si tu refuses, Capitaine Courage va te prendre pour une mauviette. Ouais, t'as raison, Capitaine Tom. Finalement, je pourrais aller faire du roller avec vous et Raph mercredi. Ah, super. Mais comment t'as fait pour annuler ton rendez-vous chez le dentiste? Je me suis débrouillée. Chut, y a Microbe qui s'amène. Les enfants, on se prépare, on ne va pas tarder à partir chez le dentiste. Ça y est, à nous de jouer, surtout n'oublie pas, tu bouges pas pendant au moins une heure. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Qu'est-ce que t'en dis, Grippy? C'est vrai, je suis bien d'accord, je suis formidable comme fille. Tom, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai cherché partout. J'ai parlé avec ton père, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. C'est à propos du dentiste. Oh non! Allez, Nina, dépêche-toi, faut y aller. Cette fois, on va être en retard. Je suis prête, maman. Ah, tu es là? Bah oui, je suis là. Mais Tom, il est passé où? On peut pas aller chez le dentiste sans lui. Je te parie qu'il a fait exprès de se cacher. Non, il est déjà dans la voiture. Hein? Tu n'es qu'un sale cafeteur, microbe. Maman m'a promis le laser anti-alien de Capitaine Courage si j'étais courageux. Au fait, Nina, c'était n'importe quoi ton idée de nous cacher tous les deux pour ne pas aller chez le dentiste. Quand je me serai vengée de ce coup-là, microbe, t'auras même plus assez de dents pour aller chez le dentiste. Hé, microbe, tu sais comment il fait pour nous endormir? Une piqûre. Et ouais, une piqûre. Et ça, crois-moi, ça fait un mal de chien. Surtout au moment où il injecte le produit paralysant. Oh ouais, bah tu ferais mieux de penser à la tête que t'auras avec cette immonde barre de fer en travers de la mâchoire. Encore pire que pour Agnès. En plus, il te traverse carrément la gencive avec une immense aiguille. Le plus dur, c'est que tu peux sentir ta peau du visage qui craque. C'est là que les gens s'évanouissent. Et toi, il va te fixer un appareil tellement énorme que tu pourras même plus fermer la bouche. Attends, tu verras, les effets secondaires, c'est encore pire. Vertige, nausée, vomissement, et tu te mets à baver comme un crapaud. Tom, Nina, c'est à vous. Alors, je rentre. Non, les enfants, cessez, je vous en prie. Arrêtez tout de suite, ça suffit maintenant. Non, mais vous avez perdu la tête ou quoi? Stop! Allez, sortez d'ici tout de suite. Bravo, l'alien, c'était super, tu t'es bien battue. Merci, microbe, t'as été génial, toi aussi. Il a eu un choc émotionnel et 15 jours d'arrêt maladie. Il faudra aussi lui acheter une autre paire de lunettes. Mais non, pas à Tom, au dentiste. Moi je m'en fiche, j'ai pas de caries. Moi je m'en fiche, j'ai pas de caries. Et moi j'ai pas besoin d'appareil dentaire. Moi j'ai pas besoin d'appareil dentaire. J'ai même pas d'appareil dentaire. J'ai même pas d'appareil dentaire. Mais je serais toi, je ferais gaffe. D'ailleurs dis-moi, oulala, c'est pas une carie que je vois là?
Est-ce que quelqu'un sait où est passée la moutarde?